beautiful place. You and Danny are gonna love it. I don't wanna go there, Mrs. Torrance. Come play with us. Danny's not here, Mrs. Torrance. Wendy, give me the bat. Get away! Get away from me! Red Rum! Red Rum! Red Rum! Wendy, I'm home. Jack! Here's Johnny. C'était le lapin blanc qui revenait en trottant avec lenteur et en jetant autour de lui des regards inquiets, comme s'il avait perdu quelque chose. Alice l'entendit murmurer « La duchesse, la duchesse !» Benjamin, tu le laisses tranquille ou j'appelle tes parents. Et arrête d'apprendre des conneries à mon frère. Tiens-moi, Alex. T'occupe pas de ces imbéciles. Ils te méritent pas. Tu vas pouvoir te débrouiller sans moi ? Commandant. Tu te souviens? Je t'oublierai pas, tu sais. Oh, ça va, je vais prendre ma douche. Ouais, c'est ça, va te laver. Mmh.
Je dois vous parler d'un truc. Un truc? Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça commence bien. Je suis enceinte. Quoi? Quoi? Quand est-ce que ça s'arrêtera? De qui? De qui? De qui? Dis à toi. C'est tout ce que tu sais faire. Comment tu vas te débrouiller sans ta sœur? Sorry, Marie. Tu m'appelles pas par mon prénom, je dois te dire en quelle langue. Du calme, maman. Ramasser tout ça toi-même. Laisse-moi m'occuper de ça. L'engueule pas, il y peut rien. Ça va être beau. Non, Alex, tu vas tomber de ta chaise. Laisse-moi faire. Alex! Tu dois pas m'aider. Je suis là pour ça. Tu t'en vas? Maman va s'occuper de toi. C'est pas gagner la chaise. Je sais, Alex. Je t'aime, Anita. Je vais être avec toi. Toujours. Il va s'occuper de lui maintenant. Tu devras faire un petit effort. Ça fait des années que j'en fais, déjà avec ton père. Tu devras prendre les petites habitudes d'Alex. Je les connais, ces petites habitudes. Il n'aime pas les brocolis. Il n'y a qu'à faire un effort. Tu peux pas te comporter comme ça avec lui. Tu vas lui briser le cœur. Et toi, tu crois pas que tu nous brises le cœur? Pourquoi tu défais l'île d'Alex? Il pourra plus dormir ici. Je le vois mal monter l'escalier en chaise roulante. Faut que je te parle avant qu'il revienne de l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois avorter. Vous pouvez pas. Sois raisonnable. Mais je veux pas être raisonnable! C'est tout ce que j'ai. Manquer. Je sais.
sais pas, je te jure, je sais pas. Tu fais l'amour avec tout le monde ou quoi? Au point que tu sais pas qui est le père de ton enfant? Mais non. Alors quoi? C'est la Vierge Marie, hein? Pas de pénétration et huit. Enceinte! C'est pas drôle. Qui est le père? Je veux pas le dire. T'as des nouvelles de la maison de disques? Pas de mal à veille. Tu devrais les relancer. Ils écoutent même pas les démons. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Ah bien qu'ils le prennent le temps! Tu devrais pas baisser les bras, c'est bien ce que tu fais. Tu comptes me faire la leçon? J'essaie juste de t'encourager. Tu passes ta vie à m'encourager. Jusqu'à présent, ça nous a pas mis bien loin. J'essaie seulement... Quoi? Tu fais chier. Je suis désolée. Papa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu calmes. Une famille de donneurs de leçons. Et toi, ça va, t'as pas de conseils à me donner? Tu te donnes en spectacle. Et qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça te suffit pas de nous planter là avec le... Hein? Faut en plus que tu te fasses tes commentaires. Pourquoi ça doit se passer comme ça? Faut assumer, ma grande. Déjà que t'as décidé de nous laisser tomber, il faut pas t'attendre en plus à tes encouragements. Ton père a raison. Tu as toujours raison. Tu vas tout de même pas t'en aller comme ça. Je peux plus vivre ici. Je veux repartir à zéro avec le bébé. Sans nous, tu te débarrasses de nous. Arrête. Alex a besoin de toi. J'ai toujours été là, moi. Pardon? T'insinues quoi, là? J'insinue rien. C'est vous qui avez besoin de moi. Ça suffit maintenant. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude. Je vais aller faire un tour aux toilettes pour me calmer 5 minutes. Excellente idée.
C'est quoi la porte bizarre? C'est toi qui es bizarre. Tes potes, la prochaine fois, tu te les gardes. Va voir ce qui lui arrive. Je dois le dire deux fois. Benjamin ?